Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va ouvrir des box. C'est des box que j'ai déjà ouvertes mais que je voulais vous montrer parce que j'en faisais beaucoup des unboxings dernièrement. Et puis j'en ai fait moins et du coup je voulais quand même vous montrer les box que je reçois, sachant qu'il y en a qui sont en partenariat et d'autres pas du tout. Donc j'en ai 3 à vous montrer et puis on va commencer tout de suite. On commence par la Birchbox, c'est la dernière que j'ai reçue. C'est celle du mois de septembre, octobre, je ne sais pas. Je vous en ai parlé dans un vlog, mais je voulais vous en reparler. Je n'ai pas le petit livret, c'est pas grave. Dans cette petite box, cette fois-ci, j'étais un tout petit peu déçue, bien qu'en faisant le ratio au niveau des valeurs produits, elle soit rentable. Je dois dire que cette fois-ci, ça m'a moins... voilà, je suis moins... enthousiaste, voilà, on peut dire ça. Voilà, donc ici on a une bébé crème d'Eclair qui est une très très bonne marque. Donc là c'est un échantillon de 10 ml, donc à tester, pourquoi pas. C'est une bébé crème hydratante à l'huile essentielle de Neroli. Voilà, donc apparemment hydratation 24 heures, pourquoi pas, à tester. Ensuite ici on a un masque pour les cheveux, un masque express multitâche avec de l'argile rouge et de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc apparemment c'est purifiant, en même temps ça réhydrate les cheveux, donc pourquoi pas. Voilà, donc apparemment c'est un masque qui n'est pas donné et c'est de la marque Davins, je ne sais pas. Voilà, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire en commentaire, je n'ai jamais testé. Ensuite ici, ça j'étais plutôt contente, c'est une crème de jour hydratante et matifiante de la marque Bioderma. C'est la Sebium Matte Control, il me semble que je l'avais déjà testée. C'est pour les peaux sensibles mixtes à grasse et apparemment c'est pour les pores dilatés et la brillance. Donc pourquoi pas à tester, sachant que moi la crème de chez Sanoflore que j'utilise habituellement, je l'ai presque terminée. Donc je vais peut-être enchaîner sur celle-ci, comme ça je vais pouvoir retester. Ensuite j'ai reçu dans cette petite box un gel hydroalcoolique de chez Merci Andy. Donc c'est une nouvelle senteur parce que je l'avais jamais vue. C'est la senteur Namasté et je trouve que ça sent très très bon. Il y a une petite odeur de fleur d'oranger qui est très apaisante et très agréable. Et moi les gels hydroalcooliques en hiver, j'en fais une consommation de dingue parce que avec toutes les maladies qu'il y a, je préfère me prévenir, j'ai pas envie d'être malade. C'est juste un indispensable. Et celui-là je trouve qu'il sent vraiment le bébé. Ouais, il doit y avoir gavé de fleurs d'oranger dedans. Je suis très contente parce que ça sera utilisé. Et le dernier produit, donc c'est une crème de nuit hydratante de chez Galénic en format miniature de 15 ml. Donc qui est un assez joli pot. C'est operculé, donc j'ai pas encore testé. Est-ce que je testerai? Je ne sais pas. Parce que moi l'hydratation, j'ai pas forcément besoin. C'est plus se matifier que j'ai besoin. L'hydratation, je fais des masques régulièrement. J'agresse pas ma peau avec des choses qui sont trop abrasives, etc. Donc j'ai pas forcément besoin d'hydratation, mais j'ai surtout besoin de matifier. Donc je verrai bien, peut-être pour la nuit, à essayer. Si vous l'avez déjà testé cette crème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que ça me donnera envie de commencer de l'hydratation le soir. On ne sait jamais. Donc pour cette Birchbox, je vous mettrai le prix juste ici. C'est une box qui n'est pas en collaboration, que je commande tous les mois. C'est mon compte à moi. Voilà. Donc c'est pas du tout sponsorisé. Et du coup, c'est une box qui coûte pas cher. Et avec mon lien de parrainage, vous avez 10€ sur le e-shop. Si vous voulez vous abonner avec mon lien de parrainage. Et vous pouvez résilier à partir de la première box si ça ne vous plaît pas. Mais vous aurez 10€ à dépenser sur le e-shop sous forme de points. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Et voilà pour Birchbox, moi je l'aime bien, c'est une petite box que j'aime bien. C'est pour ça que je reste abonnée d'ailleurs, sinon je resterais pas abonnée. Ensuite j'ai reçu donc en partenariat la My Sweetie Box. Je viens tout juste de recevoir un mail, apparemment la My Sweetie Box va totalement changer, donc j'ai hâte de voir ça. Parce que apparemment jusqu'à présent ils montraient le contenu en avance et là ils vont plus le faire. Ils vont restructurer leur e-shop, apporter de nouvelles marques, donc pourquoi pas. Et cette fois-ci j'avais reçu celle-là, alors je ne saurais pas vous dire la box de quel mois c'est parce que ça fait un moment que je l'ai. Je vous en avais parlé en vlog, mais bon c'est vrai que je préfère faire des unboxings parce que tout le monde regarde pas mes vlogs. Ouais, je vais vous taper sur les doigts. Donc dans cette box on avait un gros tube de Dexeryl, donc 200 ml sans parfum pour les peaux sèches attendantes atopiques, donc une crème lavante. Pourquoi pas, je vais peut-être la glisser dans la douche de mes loulous parce que pour les loulous c'est toujours un petit peu plus doux. Ensuite on avait un trio d'échantillons de masques pour les cheveux, donc avec il me semble que c'était
le shampoing, le masque et le pré-shampoing. Donc à tester, pourquoi pas, hein, c'est rééquilibrant, donc ouais, je vais tester, je pense que ça peut être sympa à tester, voir ce que ça donne comme résultat. Ensuite, il y avait un petit carnet, bon ça, petit carnet, c'est pas transcendant. Vous aviez donc le petit livret qui se déplie comme ceci. Un petit top coat, un petit vernis en transparent top coat, donc ça c'est toujours utile, ça c'est sûr. Et il y avait une petite ombre à paupières turquoise comme ça, alors ça par contre, non je ne mettrai pas turquoise, peut-être un petit touche l'été, mais là pour l'hiver pas du tout. Donc voilà, je suis très contente au niveau des autres choses, mais celui-là non, et puis le carnet, non plus, bon... C'est pas trop ça, donc voilà. Mais bon, la box n'est pas très chère, donc pourquoi pas. Je vous mettrai le lien en barre d'information comme d'habitude pour que vous alliez faire un tour si vous étiez pour cette box là. Au moins, vous savez ce que j'ai reçu pour la dernière fois que je l'ai reçu, parce que c'est fait un moment. Et ensuite, non des moindres, la Beautiful Box. C'est un petit moment que j'ai aussi, mais dont je vous ai pas parlé. Et celle-là, elle était top. J'étais tellement contente. J'ai pas toutes les plaquettes. En plus, c'est le menu, comme vous le savez, c'est sous forme de petites cartes comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement bien cette fois-ci. En fait, ils ont été en partenariat avec Aromazone. Et ça, je trouve ça vachement bien. Pour celles qui ne connaissent pas la Beautiful Box, c'est une box totalement bio avec des produits bio. Voilà, des produits cosmétiques bio. Et franchement, je la trouvais vachement bien faite cette fois-ci, notamment avec le partenariat, comme je vous disais, Aromazone. Vous aviez une petite coupelle en plastique comme ceci et des petits éléments à mélanger comme ça pour vous faire un masque capillaire ayurvédique. Alors ça, je trouve ça top. Donc vous aviez les petits sachets comme ça. Vous avez la petite recette juste ici et juste ici. Et je trouve ça génial. Ensuite ici, on a un élixir solide de la marque Deva. Donc en fait, c'est un espèce de baume solide sous forme d'une espèce de... Oh, ça sent tellement bon. C'est une espèce de beurre en fait, une espèce de baume, ouais, un baume solide quoi, ça porte bien son nom, pour hydrater et nourrir la peau. Et il sent extrêmement bon, extrêmement bon. En collaboration avec Beautiful Box, à appliquer le baume sur le corps en couche fine et massée. Ça sent très très bon, c'est très agréable, moi j'aime bien. Autant pour le visage et la peau très très grasse, autant sur le corps j'ai besoin d'hydrater. Donc oui, je suis mal foutue, il ne faut pas chercher à comprendre. Et ça, je dis oui et je redis oui. Ensuite ici, on a un eau de teint. Donc ça, il faut vraiment que je le teste. C'est de la marque Downtown Paris, créée dans le Paris 11e. C'est à l'extrait botanique de Marabium vulgare. Aux effets anti-pollution, une peau zéro défaut. Donc à tester, si vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai essayé de vous faire un petit peu, je sais que beaucoup de mes copines youtubeuses le font, et moi j'ai jamais fait des chit-chats, vous savez, je me maquille en même temps que je vous parle, je teste des choses. Enfin bon, si vous voulez que je fasse ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je trouve que c'est plutôt sympa pour tester des produits au fur et à mesure dans des vidéos, et puis vous dire mes impressions à chaud comme ça à l'application. Je trouve que ça pourrait être vraiment sympa, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai un shampoing naturel moussant de la marque Biofitom. Ouais, je crois que ça vient de cette box là. J'espère que j'ai pas tout mélangé. Ouais, c'est ça. Donc on a un grand truc comme ça. Donc shampoing nature moussant, 150 ml. Par contre, je vois 150 ml, mais clairement le shampoing il arrive jusque là quoi. Bizarre. Je sais pas si vous allez voir, mais avec la lumière, moi je vois que le shampoing il arrive là en fait. Donc c'est pas rempli hein. Et enfin, vous avez une petite lotion tonique à la rose de Damas bio. Donc ça aussi, je dis oui. Alors cette box, Beautiful Box, elle est un petit peu chère. Mais franchement, les produits qui sont à l'intérieur sont de super bonne qualité. Je vous le dis à chaque fois. Si vous cherchez une bonne box bio, n'hésitez pas et allez sur la Beautiful Box. Elle est juste géniale. Et vous avez à chaque fois. Mais les dernières box, je les ai toutes adorées. Je vous mets le lien en barre d'informations. Ça c'est une box que je reçois en collaboration, mais c'est pas pour ça que j'ai du bien, c'est vraiment parce qu'elle est bien.
Et je vous la conseille si vous voulez vraiment une bonne box. Donc voilà pour ce unboxing à rapide, parce que je ne vais pas passer trop de temps. D'ailleurs, si vous préférez que je passe un petit peu plus de temps sur les produits, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous voulez des petites vidéos one shot comme ça, assez rapide, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'attends vraiment vos avis, parce que je fais un petit peu en fonction de vous comme d'habitude. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.